Voilà, tout est activé. Le champ de particules est ok. La gravité pulmonaire est bonne aussi. Et mon Amstrad CPC 464 est bien réglé. Parfait. Maintenant, j'ai plus qu'à activer tout cela par mon petit téléphone cellulaire. Merde, je crois que je me suis trompé dans la formule. Je vais encore me faire engueuler par le capitaine Wesker. On va manger un petit poulet. Pourtant, tout est ok. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, bordel? Bonjour, capitaine. Il y a, comme dirait, comme qui dirait... une petite couille dans le potage. Je me suis trompé dans la formule. Faut changer le matériel. Ces Macintosh ne sont plus assez puissants. Et ne parlons pas de cet Amstrad CPC. Combien de fois? J'ai prévu de ne rien entreprendre tant que tu m'as pas prévenu avant. Combien de fois je t'ai dit? Je te l'ai dit au moins un million de fois. Mais j'étais sûr de moi, capitaine! Une heure, il y a les PDG qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, écoute. Ils vont faire une visite dans une heure. Ils viennent voir si tout se passe bien. Tu vas partir en ville. Et tu vas trouver un moyen de corriger tout ce bordel. Ok, à vos ordres. Maximum une heure. Ok. Ok, reçu. Allez, dépêche-toi. Mais je vais pas aller en ville sans rien. Ah, c'est... ah bah tiens. Voilà. Ça, ça peut servir. Pour demander un médicament en ville, on sait jamais. Ticket, je dirais. Ticket. Scientifique. Oui, docteur Beckman, je vais chercher un remède. Ouh. Pas de panique, je s'occupe de tout. Ah. Trouver un remède, trouver un remède. Hey, y a un mec. Ok mon coco, on va se le faire. Je vais escalader ici. Ok, il m'a pas vu. C'est un clochard, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il a picolé, il est en train de boire. C'était ton dernier pipi. Voilà, et maintenant je vais voler son jet ski. Ça lui apprendra à pisser dans la rivière. Wouah, putain, j'ai eu un freeze de ouf. Ok, bah nickel, bon, on va aller chercher un remède avec ça. Putain, c'est incontrôlable. Waouh, c'est quoi ce jet ski? C'est tellement galère à piloter, je vais sortir ici. Ah, attends, il y a du feu là, c'est quoi? Ok, il y a des gens ici. Ouvrez-moi, s'il vous plaît! Ouvrez la porte! Mais bon... Laissez-moi entrer! C'est qui? Je voudrais... Allez, ouvre! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Merde! Merde! Putain, y'en a qui est entré! Aïe! Vite, n'abattez! Putain! Vite, je l'arrange! Ferme la porte! Ferme la porte! On va voir mon arme, sinon... Putain! Merci d'avoir ouvert! Aïe. C'est l'enfer dehors. Oh, vous avez un... Oui, je peux... Vous avez un bel attirail, vous, hein. Je peux paraître étrange, mais... En fait, j'ai eu un accident quand j'étais petit, je suis tombé de ma poussette, et depuis, je suis articulé, j'ai un petit support comme ça, quoi. Ah, mais oui, voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Vous êtes un petit groupe de survivants. Oui, ça fait quand même assez longtemps qu'on est ici. Ça fait quand même assez longtemps. D'accord, vous permettez, je m'installe. Venez, on va vous faire chez vous. Tu vois qu'il y a du gigot là. Il y a même du Coca-Cola. J'aimerais savoir c'est quoi votre nom. Monsieur, c'est quoi votre nom? Docteur Beckman. Puis on a Damien. On a deux vigos, c'est bon. D'accord, Damien. Comme ça, on va pouvoir... Les deux viennent d'arriver. En face, c'est... C'est Doug.
Vous êtes pas... Jonas et Damien. Vous avez contacté la police? Vous avez un téléphone ici? Non, on n'a pas de connexion, on n'a rien. Pas d'électricité, rien. Tu es un signe radio... Sage radio. De l'armée. Il y aurait possibilité de, d'emprunter l'armée les toilettes? L'armée arrive dans pas longtemps. Vous avez les toilettes? Oui, on a des toilettes. Ah, oui, on est venu dessus. Ils sont là-haut. Hein. Bien sûr, vous allez arriver à aller aux toilettes avec toute cette tenue là. Oui, vous inquiétez pas. Si jamais j'ai besoin d'aide, je vous appelle. D'accord, bah attendez, fermez la porte. Ah, appelez-nous. Bon bah vous savez quoi. Alex. Vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît, en fait quand il y a du bruit, j'arrive pas à me relâcher complètement. Ça me stresse. T'es plus vieux que moi. Vas-y. T'as l'habitude, ça non. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, finalement. Vas-y. Pas de problème, là. Ah, attends. Vous avez parlé, monsieur? Oui, j'ai besoin d'aide, finalement. Une personne pourrait m'amener un rouleau, il y en a plus. Bon, adieu, les gars. Il manque un rouleau, s'il vous plaît. Bon, attendez, je vais le chercher. J'ai mis un... Vas-y, ma belle. Je vais me lever, je vais lui mettre un coup de patte dans la gueule. Elle est où ma batte? Bon, alors on est désolé, mais c'est le seul papier qui nous reste. Ah merci, très aimable. Quoi? Ah! Oh! Tu m'as vu? Oh putain! Oh merde, ils ont fermé! Je vais attendre qu'ils ouvrent. Il a fait sacré l'entaille. Tu pars tous? Moi je. Oh, je pars seul. Oh. Oh putain. Chance. Oh putain. Oh putain. Il me faut un remède. Il a fait tout. Dégage. Je veux juste un remède. Ok, il est fou. Oh putain. Ah mais ils ont sauté. Ils sont où? Ben vous ne ferez pas de mal. Vous êtes quoi vous? Vous êtes fou? Donnez-moi un remède tout de suite. Et je vous laisse en vie. Il me faut mon médicament. Faites les BSA. Ben voilà. Ah. Sapristi, lui non plus n'a pas le remède. Je suis fichu. Comment je vais me sortir de cette merde? Comment je vais faire? Ah, le journal d'hier. Mimi Mati rejoint un club de basket. J'aurais vraiment tout vu. Il y en avait des habitants ici. Il y avait Doug, Alex, Jonas et Derby. On va manger les saucisses qu'ils avaient mis à préparer. La radio, elle est allumée. Il n'y a rien d'autre ici, il n'y a pas d'antidate. Et dans le frigo, j'ai regardé, il n'y a que des chocs à pic. Oh non. Le BSA. Il y en avait sûrement un qui avait un portable. Fichu smartphone. Oh non. Oh putain. Il y a quelqu'un. Donnez-moi un remède ou je vous bute tous. J'ai des otages ici. Non. J'ai des otages. Sortez les mains en l'air. Monsieur, je suis là pour jamais. J'ai attendez, je compte parce qu'il y en a beaucoup. Au moins une dizaine. Si vous entrez, je les tue. D'accord, monsieur. J'accepte de laisser entrer un négociateur. Avez-vous un négociateur? Moi, tu sais, moi le plus compétent. D'accord, je vous ouvre la porte. Mais si un de vos petits G.I. Joe tente d'entrer, ou votre boîte de conserve, je tue tous les otages. J'ai vos armes. Moi, je ne veux pas, moi. Bien reçu. Allez-y, entrez. Oula. Pas bouger, les mecs. Trois otages. Je veux une Mercedes, un antidote et un menu best-of. Sinon je libère personne. Ouais, vous avez tout ce que vous voulez,
Je vois l'étage d'abord. Mais bien sûr, c'est à l'étage. Je fais ce que vous voulez. C'est à l'étage, monsieur. D'accord, je vais voir l'étage. Juste là, oui, effectivement. Quelle salle, monsieur? Juste ici. Non. Maintenant, j'ai vraiment un otage. Non. Si vous me donnez pas ce que je veux, je bute votre collègue. Oh putain. Vous voulez entrer pour négocier? Très bien. Ce que je veux, c'est savoir quelles sont vos revendications. Très bien. Je veux une Mercedes devant la maison, un antidote et un menu best-of. Un Sinon, menu je best-of. Bute votre collègue. Écoutez, monsieur, tout ce que je veux... protéger les survivants. Les amener en lieu sûr. Qui que vous soyez, je pense que vous devrez aussi vous mettre à l'abri avec nous. C'est une proposition que vous ne devriez pas prendre à la légère. Allez vous faire foutre. Je vais le buter. Je vais le buter. Vous entendez? C'est ma batte dans sa gueule. Je vais vous poser une question. Ah. Quelle aide avez-vous besoin exactement? D'un antidote et d'une voiture. Je veux une voiture devant la maison et je me barre. Si vous me suivez, je tue tous les otages qui sont là. Vous les entendez pas écrire, hein? A l'aide! A l'aide, aidez-nous! Vous les entendez crier? Il y en a beaucoup, hein. Okay. Va sur le par là, d'accord? Non, en dessous de la vitrée, là. Ils sont où? Non, non! Je sais pas s'ils m'ont vu. Je crois pas. Je crois qu'il y a un gars qui fait le tour. Je suis trop cramé. Non? Ah non, c'est bon. Ah. Oh putain, le progéniteur! Oh putain, mais je tape sur de la ferraille! Il attaque le progéniteur! Oh! Passage. Je crois que je l'ai eu au passage. On avait dans le matériel. On a battu.